Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant: Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix! Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de sièges contre toi, t'encercleront, te presseront de tous côtés, ils t'anéantiront. Toi et tes enfants qui sont chez toi, ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a visité. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons à méditer dans l'évangile selon saint Luc. Et particulièrement aujourd'hui, dans le chapitre 19, dont nous méditons précisément à l'arrivée de Jésus dans la ville de Jérusalem. À son arrivée à Jérusalem, Jésus a prononcé des lamentations sur elle, où il disait, je cite ses paroles, Si toi aussi, en ce jour où tu pouvais reconnaître les chemins de la paix. Mais désormais, ils seront cachés à tes yeux. Des jours viendront auxquels tu n'échapperas pas, où tes ennemis t'entoureront de tranchées, t'enfermeront, te presseront de tous côtés, ils t'écraseront avec tes enfants au milieu de toi. Il ne restera pas de toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu étais visité. Fin de la citation. En voyant cette partie du chapitre 19 de saint Luc, on comprend facilement que Dieu nous alerte sur le fait que nous devons tous les jours profiter de toutes les occasions qui nous sont offertes. Dans cet évangile, Jésus utilise l'image de la ville qui n'a pas su profiter, qui n'a pas accepté le Messie, le Seigneur. Mais cette image symbolise aujourd'hui toute personne ouverte aux propositions du salut. Donc, ces lamentations de la part du Seigneur concernent à nous tous et toutes aujourd'hui. À chaque fois que nous gaspillons le temps, à chaque fois que nous gaspillons les occasions et à chaque fois que nous gaspillons les opportunités qui nous sont offerts de la part de Dieu.